l'entrée des Lyonnais et des Valenciennois sur la pelouse du Groupama Stadium pour vivre donc cette demi-finale de la Coupe de France. Lyonnais essaie de reconstruire l'accélération de Benrahma, ballon renvoyé dans les pieds de Taliafico, le centre tir et l'arrêt de Louchet de la main droite qui empêche peut-être ce ballon d'entrer dans sa cage. On va essayer de revoir cette action. C'est pas le poteau au ralenti. Bon décalage à gauche, Benrahma dans la surface de réparation, le centre-pied gauche avec un espoir qui va frapper à côté de son mauvais pied. Malheureusement, oh, il avait la cage pour lui là quasiment. Oh, attention à son tacle, il arrive très en retard, Ernest Noma. Ouais, oh, Knockaert qui passe, l'avantage qui est laissé. La faute. Anthony Knockaert, le décalage pour Doucouré qui frappe. Non. Et c'est Valenciennes qui prend les devants dans cette demi-finale. C'est pas possible, il n'y a pas faute. Bah si, il y a faute, tous les jours. Déséquilibré par Anthony Knockaert. Tous les jours. Il ne fera pas, qui annule le but valenciennois. Bien joué Alex, qui s'est battu et qui récupère dans les pieds de Masson. Benrahma avec Alexandre Lacazette qui a poursuivi sa course. C'est Benrahma qui va trouver le capitaine lyonnais. Lacazette, mais qui s'est fait. Dans la surface de repas, c'est le penalty accordé par Madame Frappard. C'est parti. Alexandre Lacazette, oui, face à Boucher, la frappe en force sous la barre transversale. Et Alexandre Lacazette qui fait exulter le Groupama Stadium. L'OL qui prend les devants, un but à 0 contre Valenciennes dans cette demi-finale. Maxence Cacré, la base de Cacré vers Saïd Benrahma dans la surface de réparation qui recherche Lacazette, le contrôle. Allez. De Lacazette, oui, oui. Et qui permet à l'OL d'emmener 2 buts à 0 contre Valenciennes dans la demi-finale de la Coupe de France. Décontré par un défenseur, le tacle magnifique de Taliafico qui remet en jeu Saïd Benrahma. Benrahma dans la surface pour Ryan Cherki. Cherki dans la surface, le centre, oui, et le troisième but inscrit par l'Olympique Lyonnais. Après cette magnifique action, le décalage de Benrahma pour Cherki et ce centre dans les 6 mètres. Boukif Torban vient finir 3-0 pour l'OL contre Valenciennes. C'est pour ce corner. Oh, avec Kif Torban dessus. Qui envoie ce ballon juste au-dessus, il s'en veut. Elle est arrivée un peu vite. Nigérian. Ah, c'est fini. Ouais, c'est terminé. C'est terminé. L'OL qui est en finale de la Coupe de France pour la 9e fois de son histoire.